Bonjour à tous. De nouveau, je vais remercier L214 et puis l'AVF, puis Élise qui a aussi participé à l'organisation. Donc j'ai une formation de philosophe. Je suis même spécialisé. Enfin, j'ai une formation plutôt en philosophie analytique. Si vous avez fait justement de la philosophie en terminale, vous avez fait ce qu'on appelle plutôt de la philosophie continentale, qui est plus proche de l'histoire de la philosophie. La philosophie analytique, c'est une discipline où on va plus s'intéresser, c'est plus proche des sciences d'une certaine façon, on s'intéresse plus aux questions, et on cherche des réponses aux questions. Bon, c'est deux façons différentes de faire qui ont chacune leurs avantages, mais quand on s'intéresse aux questions d'éthique, c'est souvent plus intéressant de les aborder dans la perspective analytique parce qu'on travaille vraiment par argument. Donc ça, c'est ma formation au sens large. Après, ce sur quoi je me suis spécialisé dans ma thèse, dans mon doctorat, c'est sur ce qu'on appelle la psychologie morale. Donc la psychologie morale, c'est une sous-partie de l'éthique. L'éthique, on pourrait dire, l'éthique ou morale, c'est la même. On fait pas de différence. Je fais pas de différence. C'est chercher à répondre à la question que comment devrions-nous agir, que dois-je faire. La psychologie morale, c'est plus essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que les gens agissent comme ils agissent. Pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a? Donc il va y avoir par exemple des réflexions sur du point de vue évolutionnaire. Là, pourquoi est-ce que l'espèce humaine a développé ce truc qu'on appelle la moralité? Il va y avoir des réflexions sur l'évolution des enfants, à partir de quel moment les enfants commencent à avoir des raisonnements ou des intuitions morales. Il y a aussi des débats passionnants pour savoir quand un individu se comporte d'une certaine manière, est-ce que ça vient de sa personnalité ou est-ce que ça vient de la situation dans laquelle il est? C'est un peu les deux. Et donc ma thèse, qui est devenue un livre qui a été publié l'an dernier, qui s'appelle « L'imagination en morale », le sujet, la thèse que je défends dans le livre, c'est l'idée que l'imagination permet d'améliorer notre connaissance morale. Bon, c'est un peu technique, ça s'adresse plutôt à des universitaires, contrairement au livre que je présente aujourd'hui. Mais il y a vraiment un lien entre les deux. En particulier, il y a ce lien. Dans la thèse, je me suis vraiment intéressé à ce qu'on appelle la perception morale. Donc la perception morale, c'est percevoir qu'il y a un problème. Ou percevoir qu'il n'y a pas de problème, mais en tout cas percevoir ce qui est moralement pertinent dans une situation avant même de commencer à raisonner, de commencer à argumenter pour savoir quelle est la bonne chose à faire, quelles sont les théories qui vont aller dans une direction ou dans une autre direction. Et dans le cas de notre rapport aux animaux, je me suis vraiment dit que l'approche par la psychologie morale était importante et nécessaire. Peut-être le point de départ que j'avais, c'était tout simplement de constater qu'il y a plein de personnes qui sont autour de moi, qui peuvent être particulièrement sensibles aux questions de justice, qui peuvent être des personnes progressistes et qui pourtant semblent absolument pas sensibles aux questions d'éthique animale. Et c'est un peu bizarre quelque part. Et donc comment expliquer ça? On pourrait penser qu'il y a des désaccords moraux fondamentaux. Ben non, la thèse que je défends, une des thèses que je défends dans le livre, c'est que non, c'est pas un problème moral. C'est pas parce qu'ils ont des valeurs morales différentes. C'est pas parce que les végans n'ont pas de valeurs morales spéciales. C'est plus un problème de psychologie. Et c'est un problème de psychologie au sens où tout le monde va pas percevoir de la même manière l'importance de la souffrance animale en particulier. Donc voilà quel était un peu mon point de départ et la question qui m'intéressait, en me disant d'une certaine façon la question morale elle est réglée. C'est plus tellement intéressant de savoir si oui ou non c'est moralement acceptable de faire souffrir un être sans nécessité. Non, c'est pas moralement acceptable. Ça, c'est pas tellement intéressant, c'est pas une question si intéressante que ça. La question, c'est plutôt, comment ça se fait que, malgré le fait qu'on a des arguments très solides, la plupart des gens ne changent pas leurs habitudes. Donc, une approche en psychologie. Donc, ça donne le livre Voir son steak comme un animal mort, avec quatre chapitres. Donc là, je vais rapidement présenter les quatre chapitres, puis je vais me concentrer dans un second temps plus sur le chapitre 3,
qui est vraiment celui qui a fait que j'ai décidé d'écrire le livre. C'est vraiment là que la question se pose, la question psychologique en tant que telle. Néanmoins, dans un premier chapitre, je parle du consensus en éthique animale, à savoir que quand vous lisez la littérature en éthique animale, la plupart des auteurs vont être d'accord pour dire que on devrait pas causer de tort sans nécessité à un être sensible. En fait, on peut dire que aujourd'hui, les gens qui continuent qu'Élise a présenté tantôt, les gens qui continuent à travailler en éthique animale, c'est pas la question de savoir s'il est moralement acceptable de manger des animaux, elle est plus tellement intéressante. Ils vont travailler sur le gros sujet à la mode en ce moment, si vous voulez, c'est la suite de Zoopolis de Will Kimlicka et Sue Donaldson, qui propose un cadre post-abolitionniste en disant, la question des droits des animaux, philosophiquement, elle est réglée. Elle n'est pas réglée empiriquement, mais philosophiquement, elle est réglée. Les animaux sensibles devraient avoir des droits. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Et eux, ils essayent d'intégrer ça à des questions de philosophie politique plus large, avec une proposition qui est assez surprenante au départ, mais quand on lit le livre, et puis le livre a reçu plein de prix. Et faut savoir que Will Kimlicka, c'est peut-être le deuxième philosophe le plus important au Canada après Charles Taylor. Là, c'est un philosophe politique de renommée internationale. Donc sa parole est quand même a été extrêmement diffusée. Et donc ils ont cette théorie qui consiste à dire que les animaux domestiques, par exemple, devraient être intégrés comme des citoyens dans nos communautés, que après ils font des différences. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est pas exactement le sujet, mais c'est ce type de débat qui en ce moment intéresse les philosophes en éthique animale. Et puis il y a aussi quelque chose qui est un mouvement qui est intéressant depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'on appelle l'écoféminisme. Donc c'est des auteurs qui cherchent à voir quels sont les liens entre le féminisme et puis l'environnement. Et là encore, si je simplifie, ils vont dire en gros, il y a une même logique, une logique d'oppression des femmes qu'on retrouve dans l'oppression, dans le rapport à l'environnement, qu'on retrouve dans le rapport aux animaux. Et donc, elles travaillent, c'est surtout des auteurs femmes, elles travaillent sur ces questions-là. Et ces questions écoféministes, c'est quelque chose qu'on retrouve, que je reprends dans le quatrième chapitre. Le deuxième, donc ça c'est le consensus en éthique animale, qui est un genre d'introduction à l'éthique animale contemporaine. Le deuxième chapitre s'appelle l'argument environnemental. Et là, en général, donc vous savez sans doute que les produits animaux causent des dégâts importants sur l'environnement, causent des gaz à effet de serre, 14,5% selon le dernier rapport de l'ONU. En général, on tire de ce fait-là l'idée qu'il faut consommer moins de produits animaux, mais pas nécessairement qu'il faut devenir végane. J'essaye d'acérer l'argument et de montrer que non, avec les faits qu'on connaît aujourd'hui, une personne rationnelle devrait suivre la règle qu'il faut ne plus du tout consommer d'animaux. En tout cas, c'est cet argument-là que j'essaye de présenter. Dans ce chapitre-là, je parle aussi d'un nouveau courant en psychologie, qui est de la psychologie environnementale, qui s'intéresse à pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de changer nos habitudes dans notre rapport à l'environnement. Là, on commence à savoir que ce qui se prépare au niveau climatique en particulier, c'est extrêmement grave. C'est parti, il va falloir qu'on apprenne à vivre dans un climat. On avait posé à un moment donné le seuil de 2 degrés, il ne faudrait pas dépasser 2 degrés, c'est à peu près sûr qu'on va dépasser les 2 degrés. Donc il va falloir qu'on vive avec cette réalité-là. Mais bon, il y a quand même plein de choses à faire, mais il y a des obstacles psychologiques. Il y a des obstacles psychologiques au changement. L'être humain est relativement conservateur, et donc aujourd'hui, il y a des psychologues qui s'intéressent
spécifiquement aux obstacles psychologiques, au changement dans le cadre de l'environnement. Donc ça, c'est aussi des choses que je présente dans ce deuxième chapitre. Le troisième chapitre, je vais y revenir tantôt. Le quatrième chapitre, qui s'appelle « Le véganisme est un humanisme », je fais plusieurs choses dedans, mais en particulier, je cherche à répondre à cet argument qu'on entend parfois, comme quoi le véganisme serait anti-humaniste, comme quoi si on se met à se préoccuper des animaux, ça va être au détriment des humains. Et donc j'analyse ça en disant, si je résume, qu'on peut vraiment distinguer deux formes d'humanisme. Un humanisme qui serait un humanisme inclusif, qui en fait correspond à la tradition humaniste, et donc un humanisme inclusif qui n'a pas de problème à inclure d'autres espèces dans les préoccupations morales des humains. Et puis oui, on peut distinguer cet humanisme inclusif d'un humanisme exclusif. Donc là, l'humanisme exclusif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer que les êtres humains ont une valeur morale supérieure. En fait, il voudrait mieux même parler de suprématisme humain. Pour cet humanisme exclusif, suprématisme humain, un peu comme on parle parfois de suprématisme blanc. C'était peut-être pas trop développé ici, mais aux États-Unis, il y a les gens racistes se revendiquent suprémacistes blancs, considèrent que les blancs ont une valeur morale intrinsèquement supérieure. Ben, par analogie, on pourrait dire qu'il y a un suprématisme humain qui correspond à cette forme d'humanisme. Mais bon, on peut et on doit faire la distinction entre ces deux types d'humanisme. Il y a aussi, je vais pas tout vous raconter ce quatrième chapitre. Ce que je présente aussi dans ce chapitre, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Je vais boire un petit peu. L'intersectionnalité, donc c'est quelque chose qui a beaucoup été promu par les écoféministes en particulier. C'est la réflexion sur comment les différentes formes d'oppression se rencontrent, se croisent, s'additionnent. Alors, quand on parle de différentes formes d'oppression, ben, on peut penser au racisme, on peut penser au sexisme, on peut penser à l'hétérosexisme. Donc, l'hétérosexisme, c'est le racisme lié à l'orientation sexuelle, la transphobie. On peut penser au capacitisme, ça, c'est la discrimination des personnes en situation de handicap. Ben, toutes ces formes de discrimination semblent avoir une espèce de racine commune, de logique commune. Et évidemment, les écoféministes vont dire qu'il faut aussi ajouter le spécisme à ces formes de discrimination. Et peut-être même que le spécisme, en un certain sens, serait la racine de toutes les discriminations. En tout cas, depuis quelques années, il y a certaines études qui tendent à montrer que plus les personnes sont spécistes, plus elles vont avoir tendance à être racistes. Et qu'en revanche, avec des enfants, par exemple, quand on induit chez eux l'idée que les humains sont pas si différents que ça des animaux, et puis après on les teste sur des questions de racisme, ils vont avoir tendance à être moins racistes. Donc il y aurait vraiment une connexion entre ces différentes formes d'oppression. Et c'est en particulier c'est une des choses dont je parle dans ce dernier chapitre. Mais là, on va avancer, Élise. Voilà. Alors, à la fin de l'introduction, je vous disais, une des questions que je pose, c'est comment ça se fait que les personnes de gauche, des personnes progressistes, des personnes sensibles à la justice soient a priori si peu intéressées par les questions animales? Ça commence à changer. Il y a des personnes de gauche qui se revendiquent comme véganes, et l'une d'entre elles, et pas la moindre, c'est Angela Davis, qui est une célèbre militante américaine qui a notamment milité contre la guerre du Vietnam et pour les droits humains aux États-Unis. Voici ce qu'elle dit. D'habitude, je ne mentionne pas que je suis végane, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est un bon moment pour en parler parce que cela s'inscrit dans une perspective révolutionnaire, à savoir comment nous pouvons développer des relations plus compatissantes, non seulement avec les êtres humains, mais aussi avec d'autres créatures, celles-là même avec lesquelles nous partageons cette planète.
Et j'aime beaucoup cette citation, non seulement parce que j'aime beaucoup Angela Davis, mais aussi parce qu'elle résume en quelques mots plein d'éléments. Donc, le rapport aux autres êtres humains, ben c'est ce que je vous disais tantôt, des liens entre le racisme et le sexisme, des liens entre le spécisme et le racisme, entre le spécisme et puis les discriminations en général. Elle évoque évidemment le fait qu'il y a un impact sur les autres créatures, les autres animaux, et aussi un impact sur l'environnement. Si on devait résumer en une seule diapo l'argument en éthique animale, alors il y a plusieurs, évidemment plusieurs courants en éthique animale, mais si on devait résumer ça en un seul argument, on pourrait le présenter de la façon suivante. Une prémisse normative qui serait la suivante. Si nous pouvons empêcher une souffrance non nécessaire, alors nous devrions le faire. Une prémisse factuelle. La plupart des souffrances que nous infligeons aux animaux pour la nourriture, les vêtements ou le divertissement, par exemple, ne sont pas nécessaires. Donc ça, c'est un syllogisme, si vous voulez. Donc si vous acceptez la prémisse normative et la prémisse factuel, qu'est-ce qu'on doit conclure? Ben, on doit conclure que nous devrions changer nos habitudes pour éviter ces souffrances. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire changer nos habitudes pour éviter ces souffrances? Ça veut dire devenir vegan ou essayer de se rapprocher, de minimiser notre impact sur les animaux. Donc voilà pour l'argument en éthique animale qui est en gros, qui résume en gros, on va dire, le premier chapitre. Pour ce qui concerne l'argument en éthique environnementale, là c'est un peu plus difficile de trouver des auteurs qui prônent le véganisme uniquement pour des raisons environnementales, mais il y en a quelques-uns. Et l'un d'entre eux c'est Paul Watson qui est le chef, je sais pas quoi, qui travaille pour Sea Shepherd, des bateaux qui vont en particulier lutter contre la chasse illégale de baleines. Et donc Paul Watson est vegan, mais se dit vegan d'abord pour des raisons environnementales. Nous sommes vegan parce que c'est un crime écologique de manger du poisson. Nous sommes vegan parce que nous sommes pour la conservation marine et pas parce que nous sommes des militants pour les droits des animaux. Donc il pense que l'argument environnemental est suffisant pour être vegan. Donc, même si on se fout des animaux en tant que tel, on peut avoir de bonnes raisons de devenir vegan pour des raisons écologiques. Là, comment est-ce que se présente l'argument, Élise? On peut le présenter, là encore, le résumé de la manière suivante. Si nous pouvons adopter une règle de conduite qui diminue significativement notre impact sur l'environnement, alors nous devrions le faire. Donc ça, c'est la prémisse normative, comme tantôt. Une prémisse factuelle, comme je le disais tout à l'heure aussi, 14,5% des GES, des gaz à effet de serre, sont imputables aux élevages. Puis là, 14,5%, c'est le chiffre le plus conservateur. Certaines estimations vont plus loin que ça. Dans la prémisse factuelle aussi, ben on sait que l'élevage gaspille de l'eau, gaspille des ressources. On sait aussi que ça conduit à une perte de biodiversité. Donc là encore, si on accepte ces deux prémisses, ben on devrait conclure que nous devrions adopter la règle qui consiste à ne pas consommer de produits animaux, c'est-à-dire devenir vegan. Ah, j'ai un peu plus réfléchi et bataillé pour arriver à cette formulation, parce que c'est pas la même chose de pas consommer d'animaux pour une raison d'éthique animale et une raison d'éthique environnementale. Donc là, vous voyez peut-être que je passe par l'idée de règle. C'est la règle générale qu'il faut suivre. Plus techniquement, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais on parle de conséquentialisme de la règle, qui est une forme spéciale de conséquentialisme. Pour vous donner une analogie, mettons qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bien de recycler. Est-ce que ça veut dire que j'ai un devoir moral absolu de recycler cette bouteille de plastique quand j'aurai fini de la boire ou qu'il faudra que je la recycle? Pas forcément. J'ai pas forcément un devoir de recycler cette bouteille. En revanche, j'ai probablement un devoir de cultiver une règle générale qui est de faire de moi un bon recycleur. Ben, de façon analogue,
on peut peut-être dire que oui, Paul Watson n'a pas nécessairement le devoir moral de ne pas manger ce poisson qui est devant lui, parce que encore une fois, il ne considère pas que ce poisson a des droits fondamentaux, donc il n'a pas forcément un devoir envers ce poisson. Par contre, il a le devoir de cultiver la règle qui fait de lui une personne qui minimise son impact environnemental, et cultiver cette règle, ça veut dire devenir vegan. Donc voilà une façon de résumer le chapitre 2. Et ce que je soutiens aussi dans le chapitre 2, c'est que quand bien même une personne, pour X ou Y raison, voudrait continuer à manger des produits animaux, si elle est rationnelle, si elle a pris conscience de l'enjeu du réchauffement climatique, elle devrait vouloir que tout le monde autour d'elle devienne vegan. Ça paraît un peu bizarre de prôner quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Ce n'est pas si bizarre que ça. Pensez par exemple à quelqu'un qui fume et qui dirait « moi je fume et tu ne devrais pas fumer, moi je fume mais je suis plutôt pour les lois anti-tabac ». Donc ça peut être un comportement qui se tient, et si on prend au sérieux l'argument environnemental, on devrait arriver à ça. Évidemment, très peu de personnes disent ça. Très peu de personnes acceptent cet argument rationnel. Pourquoi ? Parce que la psychologie nous apprend que très peu de personnes sont rationnelles. On n'est pas rationnel. On est en partie rationnel, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui expliquent nos intuitions, qui expliquent notre comportement. Et ça nous amène au troisième chapitre sur la notion de dissonance cognitive. Donc, la question que je pose, qui peut paraître un peu provocante, mais qui en fait qui n'est pas tant que ça, c'est que la question pertinente, c'est pas pourquoi est-ce que les gens sont véganes, c'est comment peut-on ne pas être végan ? Comment expliquer, finalement, c'est ça le problème, c'est comment expliquer que tout le monde ne soit pas végan ? Vous connaissez peut-être ce petit garçon, c'est un petit Brésilien qui s'appelle Luis Antonio. Et donc sa maman le filme quand il est en train de manger sa purée, puis il y a pas que de la purée dans son assiette, il y a aussi du poulpe, et il demande à sa maman: mais où est la tête du poulpe? Et sa maman lui dit: elle est chez le poissonnier. Puis là, ok, alors, mais si la tête du poulpe est chez le poissonnier, pas dans la mer, ça veut dire que le poulpe est mort. Là, tout d'un coup, en tout cas, il réalise que manger un animal signifie l'avoir tué. Et réalisant cela, il se dit: mais c'est pas possible, il faut pas tuer les animaux. Il se met à pleurer. Sa mère est très émue. Sa mère lui dit: non, mais t'es pas obligé de manger ton poulpe, mange juste tes pommes de terre. Et qu'est-ce qui se passe quand il réalise ça? Ça peut être une façon de poser le problème de la psychologie. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand il réalise ça, Élise? Il se passe ce que Steve Longman, c'est un chercheur en psychologie de l'université Melbourne en Australie, qui a formé le terme de paradoxe de la viande. Et Steve Longman dit ceci: la plupart des gens se soucient des animaux et ne veulent pas les voir souffrir, mais ils s'engagent dans une diète qui requiert qu'on les tue, et le plus souvent qu'ils souffrent. Donc il appelle ça le paradoxe de la viande. Paradoxe de la viande qu'on pourrait présenter de la façon suivante. Donc d'un côté, donc ça c'est pas une personne connue, c'est une comédienne qui s'est retrouvée dans un stock de photos que j'ai pris sur internet, mais on pourrait supposer qu'elle pense: j'aime les animaux, mais Élise, j'aime mon steak. Et j'aime les animaux, mais j'aime mon steak, c'est deux pensées, deux cognitions qui vont pas ensemble. C'est pour ça que, alors, le scan de cerveau qu'on voit au-dessus est un scan de ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est quand on a deux pensées, ou une pensée et un comportement qui s'opposent l'un avec l'autre, et ça fait
ça produit une réaction qui est une réaction d'inconfort. On n'a pas envie d'avoir deux cognitions ou une cognition et un comportement qui s'accordent pas l'un avec l'autre. On a envie d'être cohérent avec nous-mêmes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on a ces deux choses ensemble. Alors. J'aime les animaux. Bon là, je suis vraiment allé chercher la photo la plus cute possible d'un bébé chat. Et c'est vrai que la plupart des gens, il doit se passer quelque chose dans le circuit de l'empathie dans notre cerveau quand on voit ce bébé chat. Mais la plupart des gens, si on enlève les psychopathes qui sont des personnes avec des réactions très particulières qui ressentent pas d'empathie, mais c'est une très faible portion de la population. La plupart des gens éprouvent de l'empathie pour les animaux. Ça dépend du type d'animal. Là, le bébé chat, c'est très très fort. Les mollusques et les poulpes, c'est beaucoup plus faible. Mais n'empêche que quand on voit un être sensible, notre cerveau est fait de telle manière qu'on éprouve les mêmes émotions que lui à un certain degré et qu'on n'a pas envie de le voir souffrir. Donc ça, c'est pour illustrer le « j'aime les animaux ». Mais « j'aime les animaux, j'aime mon steak », là, c'est un montage, hein, c'est pas quelque chose de réel, qui illustre très très bien ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Donc ce qui est le titre du troisième chapitre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces deux pensées en tête, Élise ? Donc, un schéma de la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, c'est pas du tout un concept, c'est pas du tout une théorie qui a été développée pour parler d'éthique animale ou pour illustrer le paradoxe de la viande. C'est quelque chose qui remonte aux années 60 et qui a été extrêmement étudié par les psychologues. On a énormément de littérature sur la dissonance cognitive. Il y a eu plein de sous-théories. Ça a été raffiné, mais en gros, voici le schéma de base. On a un comportement, je mange mon steak, qui est en tension, qui est inconsistant avec une pensée. Dans notre exemple, j'aime les animaux. Et ça produit une dissonance. Quand il y a une dissonance, ce que disent les psychologues, c'est qu'il y a trois manières de base pour atténuer la dissonance. La première, c'est de changer son comportement. Donc quand le petit Antonio, quand le petit Brésilien dit « je ne vais pas manger mon poulpe », qu'est-ce qu'il fait ? Il change son comportement et du coup, il n'y a plus la dissonance. Quelque part, on peut expliquer les gens qui deviennent végétariens ou véganes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent leur comportement. Mais c'est une minorité de la population qui réagit comme ça. Il y a plein d'autres manières de résoudre ou d'atténuer une dissonance cognitive. On peut changer, deuxième stratégie, on peut changer une pensée dissonante, je vais vous donner un exemple, et on peut aussi ajouter des pensées consonantes pour finalement continuer à manger son steak, pour ne pas changer son comportement. Donc le chapitre 3, c'est vraiment essayer de comprendre ces différentes stratégies, changer des pensées dissonantes, ajouter des pensées consonantes. Donc Léon Festinger, c'est le père de la théorie de la dissonance cognitive, un psychologue social qui disait ceci: l'homme de foi est inébranlable. Dites-lui votre désaccord, il vous tourne le dos. Montre-lui des faits et des chiffres, il vous interroge sur leur provenance. Faites appel à la logique, il ne voit pas en quoi cela le concerne. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de garder foi en sa croyance sans la changer, parce qu'il y a tout un tas de stratégies. Donc j'aime les animaux. Comment est-ce qu'on peut garder le j'aime mon steak en même temps? On peut par exemple penser ils ne souffrent pas vraiment. Effectivement, si les animaux ne souffrent pas vraiment, la dissonance disparaît. Donc ça, c'est la première stratégie, c'est changer l'importance d'une pensée dissonante. Et là, il y a des études qui ont été faites, en particulier par notre ami Steve Blumman de l'Université de Melbourne. Et l'étude est la suivante. On demande à des personnes, on leur fait faire on prétend leur faire faire un test de alimentaire. Ils doivent évaluer. Alors certains doivent évaluer le goût de cachou, et d'autres doivent évaluer le goût de, ça c'est du bœuf séché.
Puis après, on leur dit, ah, ben, tant que vous êtes là, on va faire une autre, on a un autre test à vous faire faire. Là, il s'agit d'évaluer des, l'intérêt, d'évaluer comment la considération morale que vous avez envers certains animaux. Et ce qu'on constate, c'est que ceux qui ont mangé du bœuf séché vont attribuer moins de considération morale aux animaux qu'on leur fait évaluer que ceux qui ont mangé des cachous. Et en particulier, ils vont attribuer moins de considération morale à une vache. Et ça, ça s'explique par, précisément, la théorie de la dissonance cognitive. Autre expérience réalisée par des chercheurs, on présente à deux groupes la photo d'un agneau, c'est le même agneau. En revanche, la légende est différente. Première légende, cet agneau va être conduit à l'abattoir, tué, découpé, et sa viande sera vendue à un supermarché. Deuxième légende, cet agneau va être changé de pré et va passer le reste de sa vie à manger de l'herbe avec d'autres agneaux. Et alors là, ce qu'on va demander aux personnes dans un second temps, c'est non pas la considération morale qu'ils ont envers les agneaux, mais c'est d'évaluer les capacités mentales de l'agneau. Et si vous avez compris comment fonctionne la théorie de la dissonance cognitive, peut-être que vous anticipez le résultat. Le résultat, c'est que les personnes qui ont vu que l'agneau allait être disponible dans un supermarché, que potentiellement peut-être eux qui sont des omnivores s'apprêtent à manger de l'agneau, ben, vont attribuer moins d'esprit à l'agneau que ceux qui ont vu la légende, l'agneau va simplement être changé de pré. Et là encore, c'est un résultat qui s'explique extrêmement bien par la théorie de la dissonance cognitive. Donc, les animaux qu'on mange souffrent pas tant que ça. Et en pensant les animaux qu'on mange souffrent pas tant que ça, ben, ça nous rend évidemment ça rend plus facile le fait de consommer des animaux. Autre stratégie, celle qui consiste à se persuader qu'on a besoin de protéines animales. Évidemment, si on a besoin de protéines animales, là, il y a une règle d'éthique qui dit devoir implique pouvoir. Si vous n'avez pas le choix, en gros, ben, il n'y a plus de question morale. Donc, si il est absolument nécessaire de consommer des protéines animales, effectivement, vous pouvez continuer à aimer votre steak. C'est pas vraiment un choix moral, c'est comme ça. Oui, tu peux laisser. Et souvent, j'ai besoin de consommer des protéines animales va renvoyer à une espèce d'image que l'être humain se fait lui-même comme étant un chasseur-cueilleur, ce qui est pas faux. On a été chasseur-cueilleur dans l'Antiquité, mais en tout cas aujourd'hui, on a clairement plus besoin. On n'a plus besoin de consommer de protéines animales. Et ce qui renforce aussi beaucoup cet aspect, j'ai besoin de consommer des protéines animales, c'est l'idée qu'il est naturel de manger de la viande. C'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent. Ça, c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent se persuader, mais du point de vue moral, c'est un très mauvais argument, parce que c'est ce qu'on appelle un sophisme naturaliste. Parce que c'est comme si on passait d'une prémisse en termes de jugement de fait, il est naturel de manger de la viande. Peut-être qu'il est naturel de manger de la viande, mais ça, c'est simplement un fait. Mais de ça, on n'a pas le droit de conclure, donc il est moralement correct, ou donc il est moralement bien de consommer de la viande. Mais ça, c'est une règle de logique qui est un petit peu que les gens qui n'ont pas suivi de cours d'éthique ne maîtrisent pas. Si bien que il est naturel de manger de la viande, en général, peut suffire à rassurer les gens sur leur consommation. Et du coup, ça a un rôle de pensée consonante, quelque chose qui vient aider la dissonance cognitive à étouffer la dissonance cognitive. C'est un petit peu le même. Puisque les animaux se mangent entre eux, je suis un animal, donc je mange d'autres animaux. Mais c'est aussi une forme de sophisme naturaliste. Alors je vous disais, c'est pas le cas. Par exemple, là on a David Jenkins. David Jenkins, c'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en nutrition. Donc c'est comme la personne la plus importante au Canada
en nutrition. Si vous êtes nutritionniste, vous voulez devenir lui, là. C'est comme le poste académique le plus important. Et depuis, c'est assez récent, mais il prône le véganisme. Ce faisant, il fait simplement que répéter la déclaration de l'American Dietetic Association et des diététiciens canadiens qui estiment que les régimes végétariens, incluant les régimes végétaliens, lorsqu'ils sont bien planifiés, sont sains, adéquats au point de vue nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Vous avez peut-être aussi entendu parler, il y a une grosse étude récemment qui montre que au niveau du taux de mortalité, les végétariens ont 9% de chances de moins que sur une période donnée de chances de mourir que les omnivores, et les véganes 15%. Donc non seulement c'est pas dangereux, mais on commence à avoir de plus en plus d'études qui disent non, mais c'est pas dangereux, mais c'est bon pour la santé. Alors on a toujours ici une nouvelle façon de résoudre la dissonance cognitive, cette fois-ci en s'attaquant aux personnes qui ont fait le changement de comportement. Si les véganes sont sectaires, si les véganes ne sont pas de bonnes personnes, ben moi, comme je suis une bonne personne, je ne dois pas être comme eux, je ne veux pas être comme eux, donc je vais rester avec mon comportement d'omnivore. C'est là où on peut parler de ces histoires d'empathie et puis cet argument que j'évoquais, selon lequel les véganes non seulement sont sectaires, mais seraient quelque part anti-humanistes, seraient quelque part, mettraient toute leur empathie, mettant toute leur empathie du côté des animaux, il ne leur resterait plus rien pour être sensible aux humains. Alors ça, c'est une hypothèse empirique finalement sur l'empathie, et comme toute hypothèse empirique, elle peut être testée. Et c'est ce qu'a fait une équipe de chercheurs italiens il y a quelques années. Comment ils ont procédé? Ils ont présenté à des gens dans des scans, donc pendant que leur cerveau est scanné. Merci. Ils ont présenté d'abord des images d'animaux en situation de souffrance. Alors là, sans surprise, les végétariens et les véganes réagissent plus que les omnivores. Donc il y a ce qui s'allume là, c'est dans ce qu'on voit sur le scan, c'est des éléments du circuit de l'empathie dans le cortex. Mais ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté des images d'humains en situation difficile. Et de nouveau, et là de façon peut-être un peu plus inattendue, ben on s'est rendu compte que les végétariens et les véganes avaient plus d'empathie pour les humains que les omnivores. Donc la théorie de l'empathie, la théorie naïve de l'empathie qui en ferait comme si on avait une quantité finie d'empathie puis une histoire de vase communicant, ben empiriquement elle est fausse. L'empathie, c'est plus quelque chose comme un muscle qui se... Si vous mettez à être de plus en plus empathique avec une entité donnée, vous allez être empathique de façon générale. Donc c'est une réponse à l'attaque, les véganes seraient anti-humains. D'autres exemples de ce qu'on peut appeler en fait la végéphobie. La végéphobie, c'est cette attitude qui consiste à dénier les véganes. Donc un dessin de Veggie Poulette: t'es vegan, le lapin au sang c'est trop bon, c'est de la phobie alimentaire, de l'orthorexie. Moi, quand un vegan me saoule, je lui balance un steak, hihihi. Et la végane répond: mais non, pas du tout, je fais ça pour les animaux. Donc c'est un exemple de végéphobie, mais qu'on peut, voilà, on peut intégrer la notion de végéphobie. On peut voir la végéphobie comme une façon aussi de résoudre de diminuer la dissonance cognitive. Un autre exemple de végéphobie que j'aime bien parce qu'il est un peu plus un peu fin, quoi. Quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de ça va peut-être pas voir qu'il y a un problème dans cette attitude. Donc là, deux personnes au supermarché, le premier qui dit, ils vont à un barbecue, j'amènerai un steak de soja pour le barbecue, ça a la même consistance qu'un steak normal. Et l'autre lui répond: je ne vois pas pourquoi on invente des substituts si au final le goût est le même. Mais évidemment, c'est de la végéphobie.
C'est de la phagophobie un peu masquée, mais c'est une façon de dire ben, je ne reconnais pas du tout l'argument pour lequel tu manges pas d'animaux. Pour moi, c'est juste, si tu fais ça, c'est juste pour des questions de goût, mais c'est une façon de dénier complètement les motivations morales de la personne. Donc la végéphobie, elle dénie les valeurs de la personne qui est en face d'elle. On pourrait penser que c'est pas si grave que ça, c'est une petite violence. Ça signifie pas que c'est pas condamnable, il faut condamner toutes les violences comme on condamne l'homophobie ou ce genre de choses. Mais ça a aussi des conséquences assez importantes sur les animaux parce que ça rend la transition vers le végétarisme ou le véganisme beaucoup plus difficile. Donc déjà si on arrive à faire baisser la végéphobie dans la société, ben on va arriver à rendre la transition vers le végétarisme ou le véganisme plus facile, et ça va avoir des conséquences importantes sur le bien-être des animaux. Avant-dernière stratégie de réduction de la dissonance, j'aime les animaux, mais on pourrait avoir du fromage sans souffrance. Alors, celle-ci, elle est... dans ma transition, évidemment, je suis pas né végane comme personne, et donc moi aussi j'ai eu des interrogations, et j'ai eu la dissonance cognitive, et j'ai eu des stratégies. Celle-ci, je dois reconnaître que je l'ai utilisée. Ça marche. Slide. Lui, c'est Steven Arnade. Steven Arnade, c'est une autre personne importante dans le monde académique au Québec. C'est le titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences cognitives, et c'est aussi le fondateur de la revue Brain and Behavioral Science, BBS, qui est une revue très importante en sciences cognitives. Donc c'est quelqu'un de très très intelligent. Et Steven Arnade, il y a quelques années, il avait eu cette citation forte en disant « J'ai honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans. » Parce qu'il est végétarien depuis l'âge de 17 ans. Alors si Steven Arnade a honte d'avoir été végétarien pendant 50 ans, c'est pas qu'il s'est rendu compte au bout de 50 ans que les animaux souffraient pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'était pas vegan. C'est qu'il continuait à consommer des produits animaux comme du lait et des œufs. Et comment est-ce qu'il justifiait ça? Il est très intelligent, donc il devait avoir une justification. Mais sa justification, c'était précisément de se dire, ok, effectivement, manger de la viande, ça implique que l'animal soit tué, mais consommer du lait et des œufs, on pourrait imaginer un monde dans lequel le lait et les œufs soient sans souffrance animale. On pourrait imaginer, par exemple, que le veau, une fois que le veau a fini de téter sa mère, mais il y a un petit peu de lait en surplus, puis on récupère ce surplus, puis on fait un peu de fromage avec. Il y a un monde possible où il y a ça. Évidemment, c'est pas du tout le monde réel. Et le lait et les œufs que Steven Arnade a consommé pendant 50 ans, c'était pas du lait issu de ce petit surplus. Mais simplement la possibilité, le fait que ce soit possible, semble faire que ça devient moralement acceptable. C'est pas comme un interdit absolu. Et donc là, il y a une forme particulière, assez raffinée, de réduction de la dissonance cognitive en passant par ce que les psychologues appellent un monde contrefactuel, un monde possible. Donc il y a des études sur la psychologie des contrefactuels. Comment notre manière de penser sur des mondes possibles, comment de réfléchir, de comparer la réalité avec des mondes possibles, fait que on va aller dans une direction plutôt qu'une autre. Voilà, là, un autre dessin qui pourrait faire référence à ça, des Insolent Veggie cette fois. Je connais un petit éleveur qui traite bien ses animaux. Là, le cochon mort dit moi aussi. Souvent, on va avoir des gens qui disent bah oui, je mange des produits animaux issus de l'élevage industriel, mais ça serait possible quand même que je connais quelqu'un qui traite bien ses animaux. Et donc, comme si le simple fait qu'il serait possible d'avoir une viande avec un standard éthique un peu plus élevé rendait moins inacceptable la viande avec des standards immondes qui
que la personne est en train de consommer. Donc là, je pense que pour expliquer ce type de réaction, il faut passer par la psychologie des contrefactuels. Dernière stratégie, j'aime les animaux, mais ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est ce qu'on... Oui, tu peux y aller. Exemple, je ne mange qu'un tout petit peu de viande. Là, le cochon répond, cool, je ne suis qu'un tout petit peu mort. Je ne mange qu'un tout petit peu de viande, c'est une façon de se déresponsabiliser. C'est une façon de se faire croire qu'on a changé, qu'on a déjà changé son comportement. Peut-être dans certains cas, ça peut être vrai. Il y a effectivement des gens qui consomment un tout petit peu de viande, mais ce qu'indiquent les études, c'est que très souvent, c'est davantage une façon de se persuader soi-même. Par exemple, lorsqu'on demande à des gens d'indiquer leur consommation de viande en leur disant, puis après, dans un second temps, vous allez voir un documentaire sur le traitement des animaux, ben, les gens sous-estiment de façon très importante leur consommation de viande. Donc, je ne contribue pas tant que ça à la souffrance animale, je ne mange qu'un tout petit peu de viande. Ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies de désengagement moral. Le grand spécialiste du désengagement moral, pas particulièrement lié aux questions d'éthique animale en général, c'est un psychologue américain important qui s'appelle Albert Bandura et qui a en particulier étudié les justifications. La justification morale est un puissant mécanisme de désengagement. Une conduite destructrice est rendue individuellement et socialement acceptable en la présentant comme au service d'une noble fin. Donc, justifier un comportement, on va le faire en se donnant de bonnes raisons, en se donnant une noble fin, Élise. Alors, des exemples de justification assez classiques. Par exemple, l'animal est déjà mort, donc moi, j'y suis pour rien. S'il est déjà mort, autant le cuisiner avec respect, autant honorer son cadavre, Élise. Le bien et le mal sont relatifs. Finalement, le bien et le mal n'existent pas vraiment. Sont relatifs à l'individu, relatifs au groupe. Donc, dans ce cas-là, c'est pas si mal que ça de consommer des animaux. Un argument qu'on entend souvent, il y a des problèmes plus graves. Donc, s'il y a des problèmes plus graves, je peux continuer à agir comme je le fais de façon pas si acceptable. Les plantes souffrent également. On l'entend souvent, etc. Donc tout ça, ce sont des justifications. J'en indique plusieurs dans le chapitre 3. Toutes ces justifications, en fait, ce sont quoi? Ce sont des pensées consonantes. Vous vous souvenez, les trois stratégies: changer son comportement, atténuer une pensée dissonante, rajouter des pensées consonantes. Et les pensées consonantes, on peut les résumer avec les trois N. Les trois N, c'est par exemple, il est normal de manger des animaux, la viande c'est naturel et les produits laitiers sont nécessaires pour les os. Et ça, les trois N, Élise, c'est ce qu'on appelle le carnisme. C'est Melanie Joy qui appelle ça le carnisme. Donc Melanie Joy, c'est une psychologue américaine qui a proposé ce concept de carnisme, ce qui est une idéologie dans laquelle on grandit. Et qui nous convainc qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des animaux, donc c'est qui justifie la consommation de produits animaux. Citation de Melanie Joy: nous aimons les chiens et mangeons des vaches, non parce qu'ils sont fondamentalement différents, les vaches comme les chiens ont des sentiments, des préférences et une conscience, mais parce que nous les percevons comme différents. Donc le carnisme nous fait percevoir les animaux comme différents, nous fait les catégoriser, les animaux qu'on consomme, les animaux qu'on aime. Donc on aime les chiens, on consomme des porcs et on porte des vaches avec le cuir. Je finis sur des exemples de carnisme. Quand on est enfant et qu'on lit Martine à la ferme, c'est pas des vraies fermes qu'on voit, c'est des fermes de livres pour enfants où il n'y a pas de souffrance animale. Donc là, une façon de... Melanie Joy insiste beaucoup donc, sur la notion de perception et sur le fait qu'une façon pour le carnisme d'évacuer la question, de résoudre la dissonance, c'est d'occulter, de ne pas montrer. On montre des,
On montre de la propagande. Ça, on pourrait dire que c'est de la propagande. Martine à la ferme, c'est de la propagande carniste, d'une certaine façon. Ça ne montre pas la réalité. Ça, vous les connaissez pas, ces deux présentateurs d'une émission de télé au Québec. Peut-être ça existe aussi ici, ça s'appelle Les Chefs. Là, c'est comme des concours de cuisine. Alors, il y a tout l'aspect concours de cuisine, mais ce que dit aussi ces émissions de télé qui parlent de cuisine, c'est que ben, il est normal, naturel et nécessaire de consommer des animaux. Ce que disent aussi ces émissions de télé, c'est qu'un vrai repas, c'est un repas dans lequel il y a un animal mort, éventuellement accompagné de légumes, mais il y a là encore une sorte de propagande qui fait qu'on va associer cuisine et produits animaux. Les poulets qu'on achète dans des barquettes, d'ailleurs barquettes qui sont prévues pour absorber le sang, pour faire qu'on réalise le moins possible le lien entre la cuisse de poulet et puis l'animal. Si on regarde ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Un élevage de poulet, c'est pas quelqu'un avec un grand chapeau qui jette des graines dans la nature. Non, c'est des, comme vous le savez, ce sont dans des hangars où c'est beaucoup moins photogénique et on n'a pas envie de les dessiner. Autre élément du carnisme, l'association entre la virilité, la masculinité et puis la viande. Donc seuls les vrais mecs font des barbecues. Ça participe aussi de la culture carniste. Saint-Hubert, c'est une chaîne de poulets au Québec. Et ça, c'est le logo de Saint-Hubert. Alors, pendant très longtemps, j'ai vu le logo de Saint-Hubert sans me poser de questions. Puis quand j'ai commencé à lire Mélanie Joy et à m'intéresser au carnisme, je me dis, mais il y a quand même un truc bizarre, c'est que donc c'est un poulet, mais en plus, il a un nœud papillon. Pourquoi est-ce qu'il a un nœud papillon? Et je pense que la meilleure explication, c'est qu'il a un nœud papillon parce qu'il va au restaurant. Et qu'est-ce qu'il va faire au restaurant? Il va manger du poulet Saint-Hubert. Ou à la limite, il va servir du poulet Saint-Hubert. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle de la suicide food. C'est-à-dire que c'est des animaux qui désirent se manger eux-mêmes. On a un exemple encore plus évident, ça c'est un restaurant de Montréal spécialisé dans le foie gras et dans le cochon. Et là, on a carrément un cochon qui se sert lui-même. Donc évidemment, pour résoudre la dissonance cognitive, c'est parfait ça. Parce que il n'y a plus de problème. C'est l'animal lui-même qui désire être mangé. Si l'animal désire être mangé, finalement, le mangeant fait simplement accomplir son désir. On augmente son bien-être. Donc ça, c'est le fin du fin dans la façon de résoudre la dissonance. Et je pense que c'est fini. Donc là, simplement, moi aussi, je suis un peu moins sur Internet qu'Élise, mais je réponds quand même à mes courriels. Ça c'est ma page martingibert.com où il y a les différents articles qui sont pas tous liés à des questions d'éthique animale. Et pour conclure, je voulais aussi vous évoquer un projet qui a été lancé il y a quelques temps, qui est un réseau qui s'appelle le réseau JAS pour la justice animale, sociale et environnementale. Donc c'est un réseau sur Facebook où on essaye justement, il y a en particulier Frédéric Côté-Boudreau qui est derrière ça, Christiane Baillé, moi-même et puis d'autres personnes. On essaye de connecter les différentes questions de justice parce que la justice animale, elle est connectée à la justice environnementale et elle est connectée à la justice sociale. Et j'ai trop parlé, je m'arrête.